L'ONG Maranatha a récemment renouvelé son engagement pour l'éducation des enfants démunis. À son centre d'activité, sise à Gonzagueville, elle a distribué des kits scolaires à 400 enfants démunis. C'est un geste pour accompagner les parents à réussir la scolarité de leurs enfants, mais également à donner la chance à ces enfants démunis de Côte d'Ivoire. Le point avec Zeynab Dosso. Ils sont 400 élèves du CP1 à la terminale à recevoir des kits scolaires distribués par l'ONG Maranatha, organisation à but non lucratif créée en 2017. Ces kits vont permettre aux enfants démunis du district d'Abidjan et particulièrement du quartier Gonzagueville et de Poto d'avoir eux aussi la chance de fréquenter comme tous les enfants ivoiriens. Un geste pour également accompagner les parents à réussir la scolarité de leurs enfants. Selon Gemao, coordonnateur programme de l'ONG Maranatha, l'action s'inscrit dans la thématique éducation, qui est à sa 7e édition. Le choix de Gonzague, parce que nous avons constaté qu'à Gonzague, il n'y a pas d'établissement public pour que les enfants puissent bénéficier des kits scolaires octroyés par l'État de Côte d'Ivoire chaque année. Parce que ces kits-là sont en grande partie donnés dans les établissements publics. À Gonza, il n'y a pas d'établissement public. Tous les établissements sont les établissements scolaires privés. Et donc, nous avons trouvé bon de mettre ici cet espace d'assistance et de créative des enfants de l'ONG Maranatha. L'action fascine parents et autorités administratives en charge de la protection sociale représentée par Nadège Wounien, agent au centre social de Port-Boué. Cela représente beaucoup pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, dans le sens où ces kits-là aident vraiment les familles, aident vraiment les couches défavorables. Je dis merci à l'ONG Maranatha qui fait beaucoup pour les enfants depuis plusieurs années. Merci encore à l'ONG et à l'année prochaine. L'ONG Maranatha vise deux objectifs généraux pour répondre aux besoins des Ivoiriens, notamment lutter contre la pauvreté et l'injustice sociale.